Avant de commencer, petit dédicace à Agent Cookie et Agent Choco. C'est les deux agents un peu comme Ben et Nuts, tu vois, c'est à peu près la même chose, tu vois. Allez, petite dédicace. Et aussi, petit dédicace à Banane du Game. Donc du coup, petite dédicace. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque jour contre le panda qui est niveau 8 et ça, tant mieux. Ouais, attends juste, petit prince s'il vous plaît, parce que sinon je vais me faire défoncer là, s'il vous plaît, allez s'il vous plaît, non. C'est pas grave, on met du squelette géant, ça passera. Bon, en espérant qu'on peut se venger, s'il vous plaît. Oh non, mais ça va faire trop mal. Et je fais comment pour défendre pour ça moi, hein, comment je fais moi? Oh là là, vas-y tue-les, s'il vous plaît. S'il te plaît, merci. Ça va. Ça va. Donc ce deck n'est pas à moi, ce deck est à Degrelim 166. En espérant qu'on essaye de... Enfin, qu'on arrive à gagner parce que... Non, j'y crois même pas en fait. J'y crois même pas, c'est impossible. Mes troupes sont pas trop évoluées et puis malheureusement, il manque des flèches. Hein, ton foudre, tu l'enlèves et tu fous des flèches à... Ah oui. Non, c'est moins drôle d'un coup, je sais pas pourquoi. C'est bizarre quand même. Non, mais c'est parce que le géant royal comme ça, ça passe pas. Hein, pas du tout. Mais c'est sérieux. Géant royal. Mais je vais faire comment pour défendre contre tous ces bordels là? Géant royal. Ces trucs là, ces machins chouettes là. Y'a quoi d'autre? Mais ça sert à rien tes flèches là, à part faire un petit peu de dégâts sur la tour. Oui, la horde de gargouilles. Comment tu veux que je défende contre ça? Il faut un minimum des flèches. C'est quoi ton foudre? Il sert à quoi? Franchement. Rien. Voilà. Oui, tu peux me dire, ouais, mais attends, contre les barbares d'élite, ça fonctionne bien, le foudre. Hein. Oui, bon, c'est sûr, et encore, vite fait. Pour les tirs que tu utilises, franchement, ça vaut pas le coup. Mais ouais, non, c'est. Pff, ouais, c'est trop dur. Hein. Vas-y, s'il te plaît, y'a moyen que tu fasses du taf là? Putain, la boule de feu, le mec! Oh, mais attends, on fait du taf un minimum! C'est déjà bien! Eh, c'est déjà pas mal, hein? C'est pas dégueu, faut pas se plaindre. C'est déjà mieux que rien, voilà. Ce qu'on va faire, ça, petite boule de... Enfin, petite... vas-y, tour d'enfer, s'il te plaît. Non! Malheureusement, qu'est-ce que je te dis, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, tu peux me... les tuer un petit peu, là, quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, nickel, bah parfait, nickel. On va se mettre un petit prince, on va se mettre un petit feu à gobelin, et là, je vais te défoncer. Ou pas, d'ailleurs. Oh, si, c'est bon, ça passe. Ouais! Wow, comment tu dois avoir trop le seum. Et là, je me mets une petite foudre. Nickel chrome. Hop là. T'as vu, c'est pas assez la foudre. C'est pas assez. Mais bon, c'est déjà bien. Nickel, regarde, c'est mes égalités. C'est pas magnifique ça? On va faire ça. On va se mettre un petit prince peut-être. Ou alors une petite tour de l'enfer, pourquoi pas. Hop, tour de l'enfer. Ça passe. Nickel. Ouais, c'est bon ou pas? Ouais, non, c'était pourri là. Hein. C'était pourri. Bon, il m'a explosé mes deux tours en zone chrono. Fin de zone chrono. Assez facilement, on va dire. C'est horrible. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça, hein. Je peux pas vraiment faire autrement. Eh bien, ce deck est compliqué, hein. Franchement, ouais, niveau 8, arène 8, avec ce deck, non. Jamais de la vie. Enfin, en tout cas, pas contre des géants royales et des hordes de gargouilles, ça, c'est mort. Donc, tu dois pas en rencontrer souvent des hordes de gargouilles, hein, parce que si tu n'utilises pas les flèches à la place du foudre, eh ben, c'est que, franchement, tu dois rencontrer que des zappies, des tours de l'enfer, des trucs comme ça, parce que... Sinon, je vois pas pourquoi tu utiliserais le foudre, parce qu'il sert à rien autrement. Bon, en tout cas, moi, j'utilise pas parce que y a que des petits. À chaque fois, quand c'est en face de moi, il y a que des petites troupes, donc ça me sert à rien, tu vois. Donc, c'est rare quand il sert à quelque chose. Hein. Franchement, c'est plutôt rare. Bon, en attendant, je vais essayer sur ce du coup. Donc, un deck qui est plutôt sympa, mais qui est pas forcément. En tout cas, sur cette attaque-là, il est pas très bon, tu vois. Bon, en attendant, je vais aussi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool!